La famille, il est exactement 8h44 du matin. Deuxième traitement à faire. Oh là là, croissant aux amandes. Sors ça tout de suite. Pain au chocolat, croissant aux amandes. Plus c'est pas fini, on va aller tout simplement chercher ce qu'il y a là-dedans. Un petit verre de lait chaud. Il y en a qui vont me dire, ouais, je croyais que tu faisais un régime, sale gros menteur. Attendez, attendez plus tard dans la vidéo, je vais tout vous expliquer. Après, on a pris un verre de chocolat chaud avec deux gros pains au chocolat, une grande tortilla D, ou je sais pas comment ils appellent ça, avec encore des pains au chocolat et un croissant aux amandes de la famille. Donc moi, je vais me régaler, on commence la journée très très bien. Et pendant les vacances, ceux qui se lèvent genre à 15-16 heures, vous avez rien compris. Faut se lever tôt et profiter de la journée, la famille. La famille, on est parti au stade pour le dernier jour faire un petit foot. Et regardez, je viens d'avoir ces baskets. J'ai l'impression qu'elles sont super grandes. En vrai, j'ai des pains au raisin aux pieds. Dites-moi si en vidéo, on dirait elles font grandes. Je sais pas, c'est bizarre. En vrai, j'ai des échasses. Donc, bref, je vais vous faire un petit geste pour vous faire plaisir. Celui-là, il est facile à faire. Oh là 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 là. Hey, celui-là, faut être grave souple des jambes. Là, j'en fais un qui est super chaud. Dites-moi s'il y en a qui arrivent à le faire dans les commentaires. Celui-là, il est super chaud. Bon, la famille, il est bientôt 4h. Deuxième repas de la journée. On va aller dans le meilleur fast-food pour moi. Après, chacun son avis. Quick, tout simplement. Après, je vais vous expliquer pour le régime. Vous allez me dire, ouais, tu dis que de la merde, tu fais que de manger n'importe comment et tout. Donc là, on va se prendre des petits hamburgers. En plus, on a une application super lourde. Donc, Yassine, je vais te montrer les burgers. Tu me dis ce que tu veux. Donc, attends, là, c'est tous les burgers du Quick. On a ça, Supreme Chicken Spicy. Avant, tu prenais ça. On a le Giant Max, Supreme Chicken Barbecue. Je vais prendre ça, moi. Tu prends quoi? Supreme Chicken Barbecue, mais tu dis bien sans tomate, sans oignon. Sans tomate, sans oignon. Ok, vas-y, on va faire la Et commande. doublé, et écoutez, sans frites, quel On sandwich, s'en hein. fout. Supreme Chicken Barbecue. Ah, c'est une poésie ton truc à retenir. Supreme Chicken Barbecue, sans tomate, sans salade. Sans oignon. Bonjour. Je vais vous prendre un grand menu Supreme Chicken Barbecue sans tomate et sans les frites. Sans oignon, sans tomate. Non, Supreme Chicken Barbecue. Sans tomate et sans On n'a les pas de frites. barbecue, monsieur. Ah, vous avez pas? Ils ont Non, pas. c'est bon. Donc là, Mif, on a bien commandé. En plus, on aura des réductions grâce à l'appli. Donc là, ouais, pour le régime, je vous ai dit sur la vidéo de dimanche qu'en fait, ça fait depuis 2 mois et je mens pas qu'on fait un régime de ouf. Mais dans un régime, on a un jour, ça s'appelle un cheat day, où on a le droit de manger ce qu'on veut. Et là, aujourd'hui, bah, c'est vendredi et c'est le jour où je mange ce que je veux. Donc là. Et le cheat day, tu le fais à partir du moment où tu as fait un mois de diète. Hein. Ouais, il faut faire au moins 1 mois, voire 2 mois de régime pour avoir le cheat day. Parce qu'en fait, votre corps, à force de faire votre régime, il va s'adapter, vous n'allez plus maigrir. Donc, du coup, il faut le relancer avec un jour de triche. On appelle ça en français un jour de triche. Donc, on va se retrouver à la maison et il y a du sale qui arrive. Donc, la famille, on a reçu les commandes. On a eu un petit problème. On a eu 2 suprêmes classiques. Donc, viens filmer. Yasmine voulait des suprêmes chicken barbecue, genre au poulet. Pas et elle nous a donné celle-là. Genre, il y a 2 fromages, ça a l'air archi bon. Donc, on en a 2 là. On a le petit menu enfant pour ma petite soeur. C'est pas fini, on a ça face à Yacine. Et ça, je trouve que c'est grave de l'arnaque, des frites au cheddar. Tu prends un fromage, tu le fais tout seul, je crois, on le fait mieux. Ouais. Ok, ça, Yacine. Ensuite, pour moi, pour ma journée de triche, ça fait super plaisir, ça fait trop longtemps que je n'ai pas mangé ça. On a un coca. Donc ça, c'est ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, regarde comment tu. Regardez-moi ça. Wesh, c'est quoi ça? Oh les gamins. Mais c'est toi quand tu l'as sorti. Attends, heureusement il s'est pas trop cassé la gueule. Là il s'est juste mangé une patate mais il s'est relevé. Ah, voilà. Il se blaze. Donc on a un Giant Max. Ensuite on a. Ah c'est au chicken. Non, Giant Max pas au chicken. On a un suprême oignon, je sais pas quoi. On a v'là les sauces, je vais en donner un peu à tout le monde. Et la petite frite. On va échanger, non? C'est même pas fini. Mets-moi les frites, on prend ça. Vas-y, c'est même pas fini. Regardez ce qu'on a ici en dessert. Parce qu'il y a un scotch. Ouais, ça se voit que t'as des jours de plus. Ah ouais, moi je sens un truc de ouf. C'est le jour de gloire est arrivé aujourd'hui. Donc là, on a des pâtisseries de fou malade. Donc on a. Avec mon argent les pâtisseries? Non, mon argent. Millefeuille,
spéculoos et truc au triple chocolat. Ça va être super bon. Yacinus qui s'est pris des avocats, des dattes, des frites. Regardez avec des burgers. Les avocats, c'est grave bon. De ouf, tester les avocats. Regardez mon truc, là je suis en train de mettre du ketchup, après je vais mettre de la mayo dessus. Petit burger, tranquille. Moi désolé la famille, je peux pas me filmer, faut que j'apprécie ce moment, c'est mon seul jour. Demandez à Yacine ce que je mange la semaine, je peux pas vous le dire. Si vous voulez une vidéo régime, dites-le, je fais une vidéo spéciale pour ça. Mais genre toute la semaine, je mange des trucs, vous pétez un cap brocoli et tout. Puis il m'en reste un dernier, Yacine va tester pour la première fois le Giant Max. Il m'a arnaqué mon hamburger. À tester ça. Normalement, il devait avoir celui-là, mais comme ça pique, il veut hop. Dis-nous tes ressentis. Regardez ma sauce. C'est une sauce, Myrem, on sait, t'inquiète. Alors, il est bon celui-là? Tu le recommandes aux abonnés ou... Bien sûr, le quick convoy, il est halal. Écoutez, moi, ma sauce, je la recommande aux abonnés. Moi, le seul truc que j'aime pas dans ce pain, c'est quoi? Enfin, j'ai dit la réponse dans ce burger, c'est le pain. Il est grave sec. C'est quoi? Alors, c'est comment? C'est un burger. C'est bon alors. La famille, on passe au dessert, croissant aux amandes. Tu sais ce que c'est à l'intérieur, ce qu'il y a dans les galettes des rois, frère? Tu as mangé ça ce matin, dis-moi tes ressentis, tes impressions. Ah, ça va, une pâtisserie, vas-y, on va couper les pâtisseries, on va partager un peu chacun. Le couteau, fais-nous des petits échantillons. Donc là, on a une tartelette au chocolat. Elle a l'air d'être super bonne. Ouais. Ensuite, on a un éclair au spéculoos. Celui-là aussi, elle a l'air super bon. Et pour finir, on a le millefeuille. Ouais, c'est ça. Ah, c'est fondant, donc on va prendre une fourchette. C'est fondant, donc on va prendre la fourchette. Adieu les abdos. T'as dit quoi? J'ai dit adieu les abdos. Adieu les abdos, carrément. Franchement, c'est hyper bon. Mmh. J'ai l'impression d'être à une taille au mois de décembre quand on fait que de manger ça. T'as c'est bon? Oh là là, celui-là. Moi celui-là je vous donne pas. Allez que je fasse quelques trucs. J'ai fait moi, j'ai été chercher quoi. Et je le trouve super stylé. Petit pantacourt. Et il est super bien. Hop. Et le maillot, ce maillot-là, j'étais obligé de le prendre. Sachez que moi quand j'étais au collège, vas-y, ça fait un peu longtemps. Je suis pas vieux, non, mais ça fait longtemps. Dès que tu avais ce maillot-là, c'était un truc d'eau, c'était grave à la mode. S'il y en a qui ont mon âge, genre dans la vingtaine, ils vont directement savoir de quoi je parle. C'était les maillots G-Star comme ça. Et quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé d'en avoir un, mais c'était trop cher, 80 balles le maillot. Là, je l'ai eu à 29 euros et je le trouve super stylé pour aller avec le jean là, ce petit dernier jour en France.